avec Mickaël Parra qui termine en troisième position. Mickaël, c'est le fun de te revoir sur le podium. On le sait, c'est des équipes quand même à gros budget. Puis là, des fois, on veut vraiment tomber sur la coche, mais c'est pas toujours évident, le peloton est relevé. Mais là, une troisième place ce soir, ça, je suis super content. Ouais, écoute, les gars travaillent fort. Je le dis, puis je le pense, puis je le dis dans le garage, je pense que c'est moi qui ai la meilleure équipe ici. Côté crew, côté mécanicien, côté support, je suis très, très chanceux. Ces gars-là, ils méritent des résultats. On change d'auto, on le sait tous durant l'hiver que ça va être une adaptation. Mais je pense que là, on s'en vient. Je les remercie beaucoup. Souvent, ils sont dans l'ombre, ces gars-là. C'est pas une victoire encore, mais on se rapproche. Je suis très content. C'était super serré. Tu as fait David Hébert vers la fin. Écoute, ça doit te faire un vlog, tu joues un tour. Ah, écoute, je pense que la compétition est très serrée cette année. Comme qu'on parlait, je vois pas personne dominer. Je vois juste tout le monde être bon. C'est très, très, très excitant de voir ça. Mathieu vient de remporter. C'est le fun. C'est pas un auto qu'on sait qu'il y a 70% des chances de gagner. On est 10, 12, 15 à pouvoir gagner. C'est bien le fun. Ton tour, c'est quand? J'espère bientôt. On se rapproche. Écoute, c'est sûr, on y va une course à la fois. Mais je vais pas le prédire, mais je pense que sous peu, ça va arriver. Mais là, t'as un bon niveau de confiance pour les prochaines. Ouais, ça fait deux semaines qu'on essaye des choses. Un petit peu pas assez fort en fin de course. Le timing est pas parfait encore. Ça s'en vient. Je suis vraiment pas inquiète. Hey, félicitations encore une fois, Mickaël. Merci beaucoup. Merci.